Le samedi 31 juillet 2010 au matin, le soleil brille sur la ville universitaire de Beaumont au Texas. C'est un endroit où il fait bon vivre. Et l'université Lamar est très cotée. Elle attire beaucoup de monde. L'université Lamar est principalement entourée de quartiers résidentiels. À 7h45, un policier effectue sa ronde sur le campus universitaire lorsqu'il entend un bruit inhabituel. Des coups de feu. Quelques secondes après avoir entendu les coups de feu, il a vu un homme paniqué courir vers lui. Le policier lui a demandé ce qui se passait. L'homme s'appelle Ronald Woods. Il a expliqué que sa fiancée et sa belle-fille étaient en danger de mort. Ronald raconte qu'un homme a ouvert le feu sur sa famille et lui, et qu'ils se sont ensuite tous dispersés. Le policier a fait monter Ronald dans sa voiture, a appelé du renfort et s'est rendu au domicile. La maison de Ronald n'est qu'à quelques rues. D'autres policiers arrivent rapidement sur les lieux. Il y avait des policiers partout. Ils avaient sorti leurs armes car l'intervention était risquée. Ils ignoraient ce qui se passait. Ils ne savaient pas s'il y avait des victimes. Tandis qu'un policier reste auprès de Ronald, les autres entrent dans la maison et font une découverte tragique. Les policiers ont trouvé une victime sur le sol. Elle avait reçu une balle dans le buste et une autre dans la tête. Elle avait été exécutée. La police vérifie les constantes vitales de la victime, mais comprend qu'il est déjà trop tard. Ils ont constaté son décès. En examinant le reste de la maison, les policiers remarquent que la porte qui donne sur le jardin est grande ouverte. Une fois dehors, ils font une seconde découverte macabre. Ils ont trouvé une adolescente. Elle aussi était morte. On lui avait tiré dans la tête. Une mère et sa fille retrouvées mortes, toutes deux exécutées. Qui a pu faire une telle chose? Les enquêteurs sont sur le point de découvrir un homme dangereux qui souhaitait se venger, et une jeune femme prête à tout pour le protéger. Ebony Andrews, une jeune mère célibataire, a toujours été très timide et très douce. Ebony était très jolie. On pouvait penser qu'elle était très sociable, mais en réalité, c'était une personne très discrète. La jeune femme de 26 ans aime ses enfants de tout son cœur. C'était une mère formidable. Elle veillait toujours à ce que ses enfants aient tout ce dont ils avaient besoin. Sa famille passe en premier, mais son engagement religieux vient juste après. Ebony était membre de son église. Elle était très investie. Ebony Andrews avait le profil de la jeune américaine modèle. Après sa rupture avec le père de ses enfants, Ebony s'est consacrée à son travail. Elle avait un bon poste dans l'industrie alimentaire qui lui permettait de beaucoup voyager. Sa famille gardait ses enfants lorsqu'elle était en déplacement professionnel. Elle subvenait aux besoins de sa famille, elle était indépendante et elle était très optimiste quant à son avenir. Ebony semble tout avoir, mais son cœur se languit de trouver l'amour. Elle avait un appartement et un bon travail. Il ne lui manquait plus qu'un homme. Un soir de 2010, ses prières semblent avoir été exaucées. Elle rencontre Joseph Colonne, un charmant jeune homme de 32 ans. Dès qu'il l'a vu, il est allé se présenter. Il avait un comportement qui attirait l'attention. Ebony est immédiatement séduite. Il lui a dit qu'il avait sa propre entreprise. Il avait beaucoup d'atouts. Il était intéressant. Elle ne s'était pas sentie comme ça depuis longtemps.
Elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé l'homme qui cochait toutes les cases. Ebony avait déjà accompli beaucoup de choses dans sa vie. Elle travaillait, elle était indépendante. Tout ce qu'elle voulait, c'était rencontrer un homme. C'était l'étape suivante. Quand elle a fait la connaissance de Joseph, elle est tombée sous son charme parce qu'il était différent de ce qu'elle avait connu. C'est ce qui l'a attirée. Et comme il lui donnait tout ce dont elle avait besoin sur le plan amoureux, elle s'est attachée très rapidement. ebony a été élevée par deux parents très aimants. Elle adorait cette dynamique familiale et elle avait hâte de reproduire le même schéma. Elle voulait sa propre petite famille et ils ont probablement parlé d'en fonder une un jour. En quelques mois, ils deviennent inséparables. Joseph lui disait qu'il était fait pour elle, et il le lui prouvait par ses actes. Il lui donnait toute l'attention dont elle avait besoin, et elle a commencé à imaginer un avenir avec lui. Joseph accompagne même Ebony à l'église. Elle était ravie d'avoir trouvé un homme avec lequel elle pouvait partager sa spiritualité. Ebony était amoureuse de lui, et Joseph était amoureux d'elle. En dehors de leur connexion spirituelle, leur attirance physique est évidente. Joseph Colon a totalement fait chavirer Ebony. Elle était incapable de lui résister, même si elle essayait. Avec Joseph, elle se sentait en sécurité. Elle pouvait se montrer vulnérable et c'était très important pour elle. Un bon travail, des enfants aimants, une église et un homme à ses côtés, Ebony a le monde à portée de main. Mais elle est loin de se douter que l'homme de ses rêves cache un terrible secret et qu'il est sur le point de lui attirer des ennuis qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Le 31 juillet 2010, alors que la police délimite la scène du double homicide à Beaumont, au Texas, des enquêteurs arrivent sur place. Ils commencent par interroger le seul rescapé, Ronald Woods. Ses nerfs étaient à vif. Il venait d'échapper à des coups de feu. Il était agité et très perturbé. Ronald identifie les deux victimes comme étant sa fiancée, Mary Goodman, âgée de 42 ans, et la fille de Mary, Brianna. Brianna était une adolescente de 16 ans exemplaire. Elle n'avait pas de problème. Mary travaillait très dur pour subvenir aux besoins de sa fille. Et elle s'apprêtait à épouser l'amour de sa vie. Ronald est sous le choc. Mais il confie à la police qu'il pense savoir qui est le tireur. Sa fiancée devait témoigner dans une affaire de vol à main armée et il soupçonnait le tireur d'y être mêlé. Les enquêteurs vont bientôt découvrir l'identité du meurtrier et le profil d'une femme prête à tout pour le protéger. Elle a continué à le protéger, coûte que coûte. Ebony Andrews, une jeune mère célibataire, est tombée éperdument amoureuse de Joseph Colon, un homme d'affaires séduisant de 32 ans. Il semblait avoir toutes les qualités qu'elle recherchait chez un homme. Il était beau, il travaillait dur et il traitait Ebony comme une princesse. Elle était folle de lui. Mais Ebony est sur le point de découvrir que Joseph lui cache un lourd secret qui pourrait bien bouleverser sa vie. Le 31 juillet 2010, la police enquête sur le double homicide de Mary Goodman et de sa fille Brianna. Mary a été découverte dans l'entrée et Brianna dans le jardin. Les deux victimes avaient été abattues de plusieurs balles. Le meurtrier avait voulu les exécuter.
Alors que la police recherche le tireur dans le quartier, les enquêteurs interrogent le seul témoin et fiancé de Mary, Ronald Woods. Il était bouleversé, désemparé, et il pleurait. Ronald Woods a perdu sa famille en l'espace de quelques secondes. Par chance, Ronald est en mesure de confier aux enquêteurs une piste solide. Il a dit que Mary devait témoigner dans une affaire de vol à main armée. Il était convaincu que le tireur était l'homme contre lequel elle allait témoigner. Il précise qu'il ne connaît pas le nom de l'homme en question, mais il est sûr de ce qu'il avance. Il explique que l'homme s'est manifesté au moment où il s'apprêtait à partir au travail. Ronald a indiqué qu'il était 7h30, qu'il partait au travail et que Mary l'avait accompagné dehors. Il a dit qu'un homme d'un mètre 70 environ, de plus de 80 kilos avec de longues dreadlocks, s'était approché d'eux. Il n'a pas immédiatement reconnu l'homme, mais il n'a pas tardé à comprendre qui il était. L'homme était très en colère et il a commencé à s'en prendre à Mary. Il hurlait : pour qui tu te prends ? T'as pas le droit de me faire ça. Ronald explique qu'il a d'abord essayé de calmer la situation, mais que l'homme a ensuite sorti une arme. Il leur a ordonné de rentrer en les menaçant avec l'arme. Une fois à l'intérieur, Ronald et Mary sont terrifiés. L'homme était très agité et Mary essayait de le calmer. À ce moment-là, la fille de Mary entre dans le salon, provoquant la surprise du tireur. Sans prévenir, le suspect a commencé à tirer en direction de Brianna. Ronald déclare qu'ils ont tous pris la fuite. Ronald a poussé Mary vers la porte d'entrée et lui a dit de courir, puis il est parti en courant vers l'arrière de la maison. Il essayait de sauver Brianna. Brianna et lui sont sortis dans le jardin en courant. Ronald pense que Brianna est juste derrière lui, mais lorsqu'il se retourne, il ne la voit pas. Il devait trouver de l'aide. C'est à ce moment-là qu'il repère le policier dans la rue et lui fait signe. Il avait le cœur brisé. Il avait essayé de protéger les deux femmes, sans succès. Un simple appel au commissariat confirme que Mary était témoin dans une affaire en cours. L'homme contre lequel elle devait témoigner s'appelle Joseph Colonne et il a 32 ans. Mary avait effectivement fait une déclaration à la police contre Joseph Colonne. Elle l'avait désigné comme l'auteur d'un vol qui avait eu lieu plusieurs semaines auparavant. Il s'agissait de représailles suite à la coopération de Mary avec les forces de l'ordre. En dehors de ce vol, Joseph Colonne n'est pas inconnu des services de police. Il avait un lourd passé criminel. Il vendait de la drogue dans la région. Les enquêteurs montrent une photo de Joseph Colonne à Ronald. Il a confirmé qu'il s'agissait du tireur. Les autorités connaissent désormais l'identité de l'homme qui a tué Mary et Brianna Goodman. Au Texas, le meurtre d'un témoin dans une affaire est passible de la peine de mort. Donc la police a lancé un mandat d'arrêt contre Joseph Colonne. Joseph était armé et dangereux, et il était en liberté dans les rues de Beaumont. Alors que la police municipale continue de chercher Joseph Colonne, les enquêteurs rentrent au commissariat. Ils ont d'abord essayé de déterminer où il était, en tentant de localiser son téléphone portable. Mais lorsque les enquêteurs examinent les relevés téléphoniques de Joseph, ils comprennent que le fugitif a éteint l'appareil après les meurtres. Cependant, il découvre un numéro qui apparaît régulièrement dans l'historique des appels de Joseph. Le numéro était celui d'Ebony Andrews. Ils ont cherché Ebony Andrews dans leur base de données, mais ils n'ont rien trouvé. Elle n'avait pas de casier judiciaire. Sur les réseaux sociaux, Ebony apparaît comme une mère aimante et un membre actif de sa communauté religieuse. Les enquêteurs s'interrogent sur la nature de son lien avec le suspect. Ils ont décidé de l'appeler pour l'interroger sur Joseph.
Lorsqu'Ebony répond au téléphone, elle indique que Joseph est son petit ami et semble très surprise par leur appel. Ils se demandaient si elle était au courant de son passé criminel et du trafic de drogue. Les enquêteurs restent vagues et ne lui disent pas que Joseph est recherché pour meurtre. Ils lui demandent si elle sait où se trouve son petit ami. Elle a dit qu'elle ne savait pas où il était. Elle a expliqué qu'elle était allée en Louisiane pour le travail et qu'elle ne lui avait pas parlé depuis. Mais Ebony dit vouloir les aider et accepte de rentrer à Beaumont pour un interrogatoire en bonne et due forme. Les enquêteurs sont sur le point de découvrir que la jeune femme pieuse n'est pas aussi coopérative qu'elle veut le faire croire. Quand ils l'ont appelée, elle a voulu protéger son petit ami. Elle était totalement envoûtée. En juillet 2010, la police de Beaumont enquête sur le double homicide de Mary Goodman, âgée de 42 ans, et de sa fille Brianna, âgée de 16 ans. Le crime qui avait été commis était particulièrement tragique. Une mère et sa fille adolescente avaient perdu la vie. C'est d'autant plus révoltant que ça s'est passé chez elles, là où elles se sentaient en sécurité, à un moment où elles étaient vulnérables. Les enquêteurs ont lancé un mandat d'arrêt contre Joseph Colonne, 32 ans. Le fiancé de Mary a désigné Joseph Colonne comme le tireur. Ronald Woods a déclaré à la police que sa fiancée avait récemment identifié Joseph Colonne comme l'auteur d'un vol à main armée. Il était convaincu que les meurtres étaient des représailles. Mary Goodman et sa fille Brianna ont été tuées parce que Mary essayait de faire ce qui était juste. Après avoir trouvé son numéro dans l'historique des appels de Joseph, les enquêteurs demandent à sa petite amie, Ebony Andrews, de venir au commissariat pour un interrogatoire. Elle semblait très mal à l'aise. On voyait que ce n'était pas une habituée des commissariats. Il demande à Ebony si elle est au courant des activités criminelles de son petit ami. À leur grande surprise, Ebony répond affirmativement. Lorsqu'elle a rencontré Joseph, il lui a dit qu'il était chef d'entreprise. Il est resté très vague. Mais plus tard, il lui a dit ce qu'il faisait pour gagner sa vie. Il lui a parlé de la drogue. Ebony admet que les activités de Joseph la mettaient mal à l'aise, mais elle explique qu'elle continuait de l'aimer et qu'elle pensait pouvoir le changer. Malgré les signes avant-coureurs, elle a décidé de se donner corps et âme. Elle pensait pouvoir le changer, faire de lui un homme meilleur, le remettre sur le droit chemin. Ebony était sous le charme de Joseph. Elle pensait vraiment pouvoir l'influencer et faire de lui un homme bien. Elle pensait sûrement qu'il changerait par amour. Les enquêteurs lui révèlent alors que Joseph est recherché pour un double homicide. Ebony semble choquée. Elle a juré que Joseph était incapable de faire du mal à quelqu'un. Elle pensait que c'était une erreur. Elle semblait fascinée par cet homme. Il lui demande de nouveau où se trouve Joseph, mais elle leur donne la même réponse. Elle a dit qu'elle ne lui avait pas parlé depuis son départ, quelques jours avant les meurtres. Elle a dit qu'elle ne savait rien, mais qu'elle les contacterait dès qu'elle aurait des informations. Bien qu'Ebony semble vouloir coopérer, les enquêteurs pensent qu'elle cache quelque chose. Ils trouvaient ça étrange qu'elle n'ait pas communiqué avec Joseph pendant son déplacement professionnel. Mais n'ayant pas la moindre preuve pour étayer leurs soupçons, ils laissent Ebony partir. À ce moment-là, la police ne pouvait toujours pas relier le couple au meurtre. Les enquêteurs demandent alors le droit d'examiner la liste des appels téléphoniques d'Ebony. Tandis qu'ils attendent l'autorisation, ils se disent que Joseph Colonne a peut-être été filmé en train de fuir la scène de crime. Ils ont récupéré les images de vidéosurveillance de l'université. Ils ont pu mettre la main sur les images d'une caméra de vidéosurveillance. Elle était dans la résidence universitaire et elle filmait une rue voisine de celle dans laquelle les meurtres avaient eu lieu.
Les enquêteurs reconnaissent parfaitement Joseph Colonne. Et il semblerait qu'il n'ait pas été seul. Ils ont remarqué une voiture blanche sur les lieux, à peu près au moment des meurtres. On voit Joseph Colonne monter du côté passager et le véhicule repartir. Les enquêteurs soupçonnent la petite amie de Joseph, d'apparence irréprochable, d'avoir été sa complice. Les autorités ont trouvé un véhicule blanc enregistré au nom d'Ebony Andrews qui ressemblait beaucoup à celui qui apparaissait sur les images de vidéosurveillance. Les enquêteurs se sont dit qu'Ebony Andrews avait peut-être conduit son petit ami. Et les relevés téléphoniques d'Ebony ne font que renforcer cette théorie. Les données indiquaient que les téléphones portables de Joseph et d'Ebony étaient au même endroit à l'heure des meurtres. Ebony avait menti quand elle avait dit à la police qu'elle n'était pas en ville. Ces relevés téléphoniques indiquent également qu'Ebony se trouve à l'heure actuelle à Houston, à 140 km de là. Le couple semble être en fuite. La police recherchait désormais Ebony Andrews et Joseph Colonne dans le cadre du double homicide. Les autorités devaient retrouver le couple le plus rapidement possible. Très vite, la police met la main sur Joseph Colonne et sa petite amie. Mais Joseph ne compte pas se laisser faire. Il était encerclé et a menacé la police. En juillet 2010, la police de Beaumont au Texas recherche Joseph Colonne, 32 ans. Les enquêteurs le soupçonnent d'être en fuite après avoir tué Mary Goodman et sa fille Brianna. Il les a tués pour empêcher Mary de témoigner contre lui dans une affaire de vol à main armée. Brianna n'avait rien à voir avec cette histoire. Elle est morte seulement parce qu'elle était la fille de Mary. Les enquêteurs soupçonnent la petite amie de Joseph, Ebony Andrews, une mère célibataire, d'être impliquée dans les meurtres. Sur la vidéo, on voyait Joseph monter dans sa voiture après les meurtres. Ebony aurait également pris la fuite avec son petit ami après avoir menti à la police. Les données de son téléphone portable ont révélé où ils étaient. La police savait qu'ils étaient à Houston, à environ 140 km de Beaumont. Ils ont diffusé des informations sur Joseph et Ebony, ainsi qu'une description du véhicule, dans l'espoir que quelqu'un puisse les aider à les localiser. Les policiers étaient aux aguets, et puisqu'ils savaient que les suspects potentiels se trouvaient dans un périmètre bien précis, ils se sont mis à leur recherche dans tous les hôtels et tous les parkings de la zone définie. Le 11 août 2010, les enquêteurs découvrent la cachette du couple. La voiture d'Ebony a été aperçue sur le parking d'un hôtel à Houston. La police a repéré leur chambre d'hôtel pour pouvoir procéder à leur arrestation. Ils attendent qu'Ebony sorte de la chambre avant de se manifester. Elle ne les a pas vus. Elle est sortie de la chambre et s'est fait arrêter. Joseph comprend alors ce qui est en train de se passer. Il a essayé de se barricader dans la chambre. Et lorsque les policiers lui ont dit qu'il était encerclé et qu'il ne pourrait pas s'échapper, il les a menacés. À ce moment-là, ils ne savaient pas de quoi Joseph était capable. Ils craignaient qu'il soit toujours armé et ils savaient qu'il était dangereux. C'était très stressant. Il ne savait pas s'il était armé. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait tué deux personnes. N'ayant pas d'autre choix, les enquêteurs entrent dans la chambre. Joseph savait que c'était fini. Ils l'ont arrêté et placé en garde à vue. Joseph et Ebony sont accusés d'un double homicide. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent la peine de mort. Le couple vient enfin d'être arrêté et il laisse de nombreuses preuves derrière lui. Les autorités ont fait des prélèvements dans la voiture d'Ebony, sur le sol côté passager et sur la poignée de la portière. Et ils ont trouvé du sang.
Les résultats du laboratoire ont indiqué que le sang appartenait à Mary et à Brianna Goodman. Les enquêteurs retrouvent également l'arme du crime. Elle était cachée dans des broussailles à proximité. L'arme correspondait bien aux balles trouvées sur la scène du crime. Joseph et Ebony sont raccompagnés à Beaumont. Les enquêteurs espèrent que les preuves qu'ils détiennent pousseront le couple à avouer rapidement. Ils commencent par interroger Joseph. Joseph Colon était très arrogant. Il avait l'air très sûr de lui. Joseph clamait son innocence et refusait de parler à la police. Les enquêteurs soumettent à Joseph les images de vidéosurveillance, les traces de sang retrouvées dans le véhicule et l'arme du crime. Mais rien n'y fait. Joseph a demandé un avocat. Et les forces de l'ordre ont été stoppées dans leur lancée. Ils espèrent avoir plus de chance avec Ebony. Puisque Joseph ne voulait pas parler, la police espérait qu'Ebony leur donnerait les dernières pièces du puzzle. Mais ils sont sur le point de découvrir que la loyauté de cette croyante envers l'homme qu'elle aime est difficile à ébranler. Elle avait déjà menti pour lui auparavant. Ebony ne pouvait pas faire marche arrière. Elle s'était engagée à rester à ses côtés quoi qu'il arrive. En août 2010, les enquêteurs s'entretiennent avec Ebony Andrews, une jeune femme de 26 ans, pour connaître son rôle dans les meurtres de Mary et Brianna Goodman. Ils pensaient que Joseph Colon, son petit ami, avait appuyé sur la gâchette et qu'Ebony avait conduit la voiture. Les images montraient Joseph et Ebony en train de quitter la scène de crime dans la voiture d'Ebony. Les données de son téléphone portable ont également permis de prouver qu'elle était avec Joseph quelques minutes après les meurtres, même si elle affirmait le contraire. Étant donné que Joseph refuse de parler, les enquêteurs font pression sur Ebony pour obtenir la vérité. Elle essayait de le cacher, mais on devinait qu'elle était tiraillée. Elle avait dit qu'elle était en déplacement à la Nouvelle-Orléans et qu'elle n'avait pas parlé à Joseph ces derniers jours. La police était convaincue qu'Ebony était sur la scène de crime avec Joseph Colon dans sa voiture. Mais pour elle, la plus grande trahison était de dénoncer Joseph. Comment pouvait-elle le dénoncer si elle l'aimait vraiment? C'était une personne de confiance et Joseph était amoureux d'elle. Il lui expose les charges qui pèsent sur elle pour son rôle dans les meurtres. Si les charges étaient retenues, elle risquait la peine de mort. Les autorités espéraient que ces charges l'inciteraient à témoigner plutôt que de cacher des informations comme Joseph. La police savait que Joseph était le commanditaire du crime et le tireur. C'est lui qu'il voulait. Lorsque la jeune mère, très croyante, réalise la gravité de la situation, elle sait ce qu'elle doit faire. Ebony savait ce qui allait se passer. La police savait qu'elle était avec Joseph au moment des faits. Elle a eu un élan de lucidité et elle s'est demandé pourquoi elle s'était embarquée là-dedans. Elle s'est demandé comment elle avait pu laisser cet homme l'entraîner là-dedans. À ce moment-là, elle a craqué et elle a tout raconté à la police. Elle a eu peur de perdre ses enfants. Elle a voulu dire la vérité et faire ce qui était juste. Ebony explique qu'elle pensait vraiment pouvoir changer Joseph et le ramener sur le droit chemin. Au moment où il lui a parlé du trafic de drogue, elle était tellement amoureuse de lui qu'elle n'a pas voulu le quitter. Il lui a dit qu'il changerait et elle l'a cru. Ebony explique que pendant un certain temps, Joseph semblait faire de réels progrès. Il allait régulièrement à l'église avec elle. Il faisait vraiment tout ce qu'il fallait pour avoir l'air d'un homme bon à ses yeux. Elle raconte que le matin du 31 juillet, elle pensait conduire Joseph chez un ami pour récupérer une chaîne stéréo.
Lorsqu'ils sont arrivés, il lui a dit de rester dans la voiture, car il n'en avait que pour quelques minutes. Ebony explique qu'elle a attendu un certain temps et qu'elle a même envoyé des SMS à Joseph. Mais qu'en l'absence de réponse, elle a décidé de tourner dans le quartier jusqu'à ce qu'il lui donne des nouvelles. Puis soudain, elle a entendu des coups de feu. Quelques secondes plus tard, elle a vu Joseph sortir en courant. Ebony était déconcertée. Joseph venait de sortir d'une maison alors qu'elle l'avait déposé devant une autre. Ebony affirme que Joseph est vite monté dans la voiture. Ebony était déjà très inquiète parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'absente aussi longtemps. Mais en plus, il y avait du sang sur ses vêtements. Elle a compris que quelque chose avait du mal se passer et elle a paniqué. Mais je suis sûre qu'elle n'a pas imaginé que son petit ami venait de tuer deux personnes. C'est là qu'elle a remarqué le sang. Il avait du sang sur les vêtements et une arme à la main. Elle savait que c'était grave. Mais Ebony assure qu'elle n'avait aucune idée de ce que Joseph venait de faire. Elle ne savait pas qu'il était sorti de la maison de Mary Goodman et qu'il venait de tirer sur la mère et la fille. Je crois qu'Ebony était loin d'imaginer la gravité de ce qui l'attendait. Il l'a amadoué en lui faisant croire que tout allait bien se passer. Elle affirme que Joseph ne lui a pas donné de détails supplémentaires. Il lui a simplement demandé de conduire, ce qu'elle a fait. Elle s'est arrangée pour faire garder ses enfants et elle est partie à Houston avec Joseph. Elle a sacrifié sa foi et sa vie entière pour cet homme. Ebony explique qu'elle ne voulait pas que Joseph se fasse prendre, parce qu'elle l'aimait. Elle ne voulait pas qu'il utilise sa carte de crédit pour éviter tout problème, donc c'est elle qui a payé l'hôtel. En réservant une chambre d'hôtel pour Joseph, Ebony lui a montré qu'elle tenait à lui et qu'elle était prête à tout pour lui. Elle voulait faire tout son possible pour l'aider. Le jour où les enquêteurs ont appelé Ebony, elle était très inquiète, mais Joseph y a vu une opportunité. Il lui a dit de retourner à Beaumont, de leur parler et de les mettre sur une fausse piste. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Puis elle est retournée à Houston pour tout raconter à Joseph. Ebony était une bonne chrétienne, mais cet homme avait une telle emprise sur elle qu'elle était prête à sacrifier ses principes pour lui. Je pense que lorsqu'on est vraiment amoureux, notre jugement est en quelque sorte faussé et l'on finit par s'accrocher à des gens qu'on ferait mieux de laisser partir. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour Ebony. Elle s'est laissée emporter par l'amour. Ebony a été la troisième victime de Joseph Colon. Ce n'est pas elle qui a tiré et elle ne savait probablement pas tout ce qui allait arriver. Elle a été entraînée dans cette affaire parce qu'elle aimait Joseph. Même si Ebony ne savait pas que son petit ami avait l'intention de tuer Mary et Brianna ce jour-là, les enquêteurs soupçonnent Joseph de lui avoir dit la vérité. Ce qui signifierait qu'elle hébergeait un dangereux fugitif en toute connaissance de cause. Elle était sûrement au courant des meurtres. C'est pour ça qu'elle a d'abord menti à la police. Si vous commencez à faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal simplement pour montrer à quelqu'un que vous l'aimez, c'est le signe que cette personne n'est pas bien pour vous, parce qu'elle vous pousse à devenir quelqu'un de complètement différent. Je suis sûre qu'elle a eu parfois des regrets et qu'elle se demandait si elle n'était pas trop amoureuse et si son amour ne l'empêchait pas de remarquer les signes avant-coureurs. Je crois que la morale de cette histoire est qu'il faut faire attention à l'endroit où l'on cherche l'amour. Lorsqu'une personne essaye de trouver sa moitié, elle devrait s'assurer d'être en harmonie avec elle-même, parce que quelqu'un qui vous aime ne vous mettrait pas dans ce genre de situation. Ebony était tellement heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui lui permettrait de reproduire ce qu'elle connaissait dans sa famille. Elle vivait avec des œillères et elle s'est rendue compte trop tard de la personne qui était vraiment Joseph. Désormais inculpée de meurtre avec circonstances aggravantes, au même titre que Joseph, Ebony sera-t-elle condamnée
même si elle n'a pas appuyé sur la gâchette. Ebony a menti à la police pour son petit ami. Elle l'a aidé à fuir une scène de crime. Elle l'a aidé à échapper aux autorités. En conclusion, elle l'a aidé à couvrir un double homicide. En août 2010, Ebony Andrews et son petit ami Joseph Colonne sont poursuivis pour les meurtres avec circonstances aggravantes de Mary et Brianna Goodman. Ebony risquait d'être condamnée pour des meurtres qu'elle n'avait pas commis parce qu'elle avait aidé Joseph à échapper à la police. Dans la loi texane, il n'existe pas vraiment d'inculpation pour complicité, si bien que dans des affaires criminelles comme celle-ci, les deux suspects risquent la peine de mort. Même si c'est seulement l'un d'entre eux qui a tiré. Ebony passe 5 longues années derrière les barreaux à attendre son procès. L'analyse ADN est l'une des raisons pour lesquelles cette affaire a pris autant de temps. Dans une affaire de meurtre classique, les enquêteurs peuvent décider d'analyser seulement le sang présent sur la scène de crime. Mais lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, il faut analyser tous les éléments. Mais en janvier 2016, Ebony Andrews reçoit une bonne nouvelle. Sa famille et les membres de son église avaient collecté assez d'argent pour payer sa caution. Ainsi, elle a pu être assignée à résidence avec ses enfants. Elle a été libérée de prison avec un dispositif de surveillance GPS afin de s'assurer qu'elle ne s'enfuirait pas à nouveau. Elle a pu revoir ses enfants hors des murs de la prison et les prendre dans ses bras. Un peu plus d'un an plus tard, en avril 2017, le procès de Joseph Colonne débute. L'accusation doit se contenter des preuves réunies, car Ebony choisit de ne pas témoigner. Ebony Andrews n'a pas voulu témoigner contre Joseph. On était inquiet pour sa sécurité si elle témoignait contre lui. Selon nous, Colonne l'a manipulé. L'accusation soutient que Joseph a tué Mary et Brianna Goodman de sang-froid pour empêcher Mary de témoigner contre lui pour le vol qu'il avait commis 5 semaines plus tôt. Il a touché Mary au niveau de la poitrine alors qu'elle tentait de lui échapper, puis il a fini par lui tirer dans la tête. Il a ensuite rattrapé Brianna dans le jardin alors qu'elle essayait de s'enfuir et il lui a tiré une balle dans la tête. Après ce qu'il venait de faire, Joseph savait qu'il pouvait compter sur Ebony pour l'aider à s'enfuir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après un procès de 9 jours, le jury déclare Joseph Colonne coupable de meurtre avec circonstances aggravantes. Joseph a été condamné à mort par injection létale. Il se bat encore aujourd'hui en cour d'appel. À la surprise générale, l'accusation décide finalement d'abandonner toutes les charges contre Ebony. Ebony a été acquittée du fait du manque de preuves. Il y a 2 possibilités. Soit elle ne connaissait pas les intentions de Joseph, soit c'est la pire complice de meurtre qui soit. Parce que faire le tour du quartier n'est pas une chose à faire pendant un meurtre. Un bon complice aurait attendu le meurtrier à un endroit précis. On ne peut pas condamner quelqu'un à mort pour un meurtre sans prouver que cette personne savait que les meurtres allaient avoir lieu. Ils auraient pu l'inculper de charges moins lourdes pour avoir menti à la police, mais Ebony avait déjà passé 5 ans en prison et ils avaient réussi à faire condamner Joseph, donc ça leur a semblé inutile. Parmi les proches des victimes, la libération d'Ebony suscite des réactions mitigées. 2 personnes ont perdu la vie et elle a pratiquement aidé le meurtrier à s'en sortir. Mary Goodman a fait ce qu'elle devait faire. Et c'est ce qui leur a coûté la vie, à elle et à sa fille. C'est tout simplement horrible. Mais de nombreux habitants de Beaumont se sont réjouis de la mise en liberté de cette jeune mère croyante. Je pense que justice a été rendue, car elle n'a pas été accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Lorsqu'Ebony Andrews est tombée amoureuse de Joseph Colonne, elle était loin d'imaginer ce dont il était capable. Il l'a manipulé en prétendant qu'il était croyant et qu'il voulait reprendre sa vie en main. Alors qu'en réalité, c'était un monstre. Un loup déguisé en agneau.
Si je devais résumer cette histoire, je dirais que c'est celle d'un homme prêt à donner un coup de poignard dans le dos des gens qui lui étaient proches et qu'il aimait. Voilà qui était Joseph Colin. Il était prêt à entraîner Ebony avec lui. Et je pense que si votre partenaire ne tient pas compte de vos sentiments ou s'il ne vous valorise pas, vous devez vous retirer de cette relation. Si un homme est prêt à sacrifier votre vie et à vous causer des problèmes pour son propre bien, vous devez le quitter. Ebony est tombée amoureuse d'un homme qui n'était pas sincère. Et lorsqu'elle s'est rendue compte de sa véritable nature, elle était déjà amoureuse et ne supportait pas l'idée de le quitter. Ebony Andrews est devenue la proie de Joseph Colin. Elle a été élevée dans la religion. Elle cherchait l'amour et la stabilité, mais Joseph Colon, un escroc habitué de la rue, était mal intentionné. Et malheureusement pour Ebony, cette relation a failli lui coûter sa liberté. Aimer quelqu'un de tout son cœur peut faire connaître les plus grandes bénédictions de la vie. Mais lorsque la lumière éclatante de la bonté s'obscurcit sous l'effet d'une vilaine tempête, il vaut mieux prier pour que la situation s'éclaircisse et espérer une rédemption avant de devoir payer pour les péchés de quelqu'un d'autre.